Pour réaliser ce joli point, je fais une chaînette de mailles multiple de 5 plus 2 mailles. Donc le premier rang, je mets le crochet dans la deuxième maille après le crochet et je fais la maille serrée. Et je fais les mailles serrées dans chaque maille de la maille chaînette jusqu'au bout du rang. À la fin du rang, je fais une maille en l'air pour tourner. Dans la première maille, je fais la maille serrée. Et maintenant, je fais 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 9, 10, 11. Maintenant, je compte 4 mailles et dans la cinquième, je fais la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, je fais la maille serrée. Maintenant, je fais 11 mailles à l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je compte 4 mailles et dans la cinquième, je mets la maille serrée. Je fais la maille serrée. De nouveau, je compte 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je compte 4 mailles. Dans la cinquième, je fais la maille serrée. Mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 mailles. Dans la cinquième, je fais la maille serrée. Et la dernière fois, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et dans la dernière maille, je fais la maille serrée. Donc je fais le rang 2. Maintenant, je fais 4 mailles à l'air pour tourner. 1, 2, 3, 4. Je tourne mon travail. Et maintenant, je prends cet arceau. Et je le tourne comme ça, dans le sens d'aiguille d'une montre. Ça me fait un petit
petit rond comme ça. Et ici, donc je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ça me donne ça. Maintenant, je fais une double bride et je pique ici où j'ai fait la maille serrée au rang précédent. Et je fais la double bride. Maintenant, je prends de nouveau donc cette chaînette de maille et je la tourne toujours dans le même sens. Si vous commencez à tourner dans le sens d'aiguille d'une montre, donc vous continuez. Et maintenant, dans ce petit cercle, je vais faire les mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc je fais 4 mailles serrées. Maintenant, je fais une double bride dans la maille serrée du rang précédent. Donc voilà ce que ça nous donne. De nouveau, je prends cette chaînette de maille, je la tourne comme ça, je fais un petit cercle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, une boucle. Et là, je fais pareil, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, je fais la double bride que je pique dans la maille du rang précédent, serrée du rang précédent. 1, 2, voilà. Et je prends de nouveau la maille chaînette. Je fais un petit cercle comme ça, et puis cette boucle, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Double bride dans la maille serrée du rang précédent. Et la dernière. La dernière boucle. Je mets 4 mailles serrées. Donc maintenant, on peut le voir. Et ici, je vais faire une double bride dans la maille serrée du rang précédent. Donc voilà, on peut voir. Donc on a fait le premier rang, c'était les mailles serrées. Deuxième rang, c'était les mailles en l'air. Et ça, on a fait le troisième rang. Donc,
Maintenant, on va faire le rang 4. À la fin du rang, je fais une maille pour tourner et je refais le rang 2. C'est-à-dire, dans la première maille, je fais la maille serrée. Et maintenant, je fais 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je mets je fais la maille serrée dans la bride, de la double bride du rang précédent. Maintenant, je fais de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 mains en l'air. Et dans le double bride du rang précédent, je fais la maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc on fait ce rang comme le rang 2. Exactement pareil. La dernière 11e maille de ces mailles en l'air, je mets dans la quatrième maille pour tourner qu'on a fait au rang précédent. On fait la maille serrée. Maintenant, je fais 4 mailles en l'air pour tourner. Je tourne le travail et je fais exactement comme je fais au rang 3. Donc je plie les mailles en l'air que je fais au rang précédent. Je fais une espèce de boucle et je fais les mailles serrées. Dans cette boucle. Maintenant, je fais double bride dans la maille serrée du rang précédent. Maintenant, je plie cette chaînette de mailles en l'air. Je mets à l'intérieur donc les mailles serrées, 4 mailles serrées. Je fais la double bride dans la maille serrée du rang précédent. Et je continue à faire ce rang comme je fais le rang 3.
Et je continue comme ça jusqu'au bout du rang. Et je finis par la double bride que je fais dans la double bride du rang précédent. Donc voilà, on peut voir déjà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai crocheté encore quelques rangs et maintenant je vous fais voir ce que ça donne, ce joli point. Il n'est pas commun, et je trouve qu'il est joli et puis en plus ça monte rapidement. Donc je fais deux petits échantillons comme ça. Pour l'utiliser, donc là, ça c'est l'endroit à l'envers. Il est comme ça aussi, donc il est réversible. Donc on peut l'utiliser de deux côtés. Pourquoi pas pour faire une écharpe par exemple. Donc voilà, moi je le trouve très sympa. Quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc voilà, si vous avez une idée où on peut utiliser ce point, vous pouvez me marquer dans vos commentaires. Je serai très contente de les lire. Donc voilà, et puis pour cette vidéo, si vous pouvez mettre le pouce bleu en l'air, ça me fera plaisir aussi. Et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite un bon crochet et à bientôt sur ma chaîne.